Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Sur Europe Anniversaire, c'est 4. Donc on venait de terminer Protectorat du Maroc. Attends, il me manque une province, tu me dis. Figuig, mais ok. Alors, un événement va survenir. Cet événement va nous permettre de faire de notre dépendance un égal être attaché. Ottomans obtiennent revendication perpétuelle sur région du Maroc. D'accord, on a fini cette arbre là de mission. Enfin, cette branche de l'arbre. Alors, le danger était trop grand que le Maroc tombe entre les mains des Ibériques pour des décennies. Mais heureusement pour ses habitants, le grand Padisha Suleiman Kunami Ier est enfin intervenu afin de les protéger en instaurant un Eyalet dans la région. Qui peut ainsi intégrer l'Empire. Donc Eyalet rattaché, ça intègre l'Empire. Ouais, c'est ça. En 59, je peux intégrer des trucs là. Mais pourquoi je ne peux pas le faire sur eux? Non, bêtise. Oula, oulala, oulala, pardon pour le vomissement. Ah là, modificateur, mais où est-ce que je peux le voir ce modificateur? Je sais pas, peut-être qu'il est pas. Peut-être faudrait revenir dans les épisodes précédents, peut-être que c'est pas intégrable cette Eyalet. Parce que là pour les autres, ah si là j'ai écrit Eyalet. Ouais. Bon bref. On est en guerre contre Hormuz. France n'est plus une rivale valable. Et alors attends. Là, toi t'es en galère. Voilà. Alors attends, on peut faire des trucs ici. On va faire des ports, ça double la productivité locale et améliore la puissance commerciale. J'en ai fait que là. Pourquoi j'ai encore l'icône? Est-ce que je peux faire d'autres choses? Ça doit être ça. Ouais. Ok. Bon, ils sont un peu pourris ces états, toujours 555 mois, on va le laisser parce que... petit bombardement. Je vais laisser l'embargo chez les Français parce qu'ils vont redevenir des rivaux très rapidement, je pense. Très bien. Oh, tu vas faire le tour, forcément. Alors attends, on va faire un truc. Très bien. On va mettre que les canons dessus. Non. Les canons, j'ai dit. Voilà. C'est bon, ça va être géré. Ici, tu viens là. Oh, cool! C'est au Perse, ça. Donc ça veut dire qu'en attaquant les Perses, on pourra le prendre. Par contre, je pourrais pas mener de bateau, on en fait ici. Attends, France. Je peux encore voler des cartes ou pas? Je pense pas. Maghreb. Mais je sais pas trop ce que tu vas me donner. Bon, il n'y a plus que ça. De toute façon, on a... je sais pas, Maghreb, hein. Ce que t'appelles Maghreb, qu'est-ce que j'aurais pas vu? Par là? Ah là, peut-être. Non, Tenerife. Non, c'est... attendez, je replace le micro. Hop, voilà. Bah, je sais pas. Écoute, montre. J'ai pas vu. Je sais pas, c'est peut-être un petit bug. Hein. Ouais. Attention, Delhi arrive. J'ai envie de dire, Delhi arrive, c'est flagrant même qu'il arrive. Il est où? Oh putain, il est au bout du monde. Bon, on va essayer de lui tomber ses armées. Et ça où ira? Ouais. Ah, mais ils ont géré. Ah, c'est vrai qu'il y a des hospitaliers là. Attends, là c'est Aragon, ouais.
hospitalier, c'est pas mes copains, hein. Italie, Lituanie et Venise, c'est juste pour m'emmerder. On gagne 26 par mois, très bien. L'Angleterre a déclaré la guerre aux Hurons. Hurons, petit patapon. Mais non, je pensais qu'on les verrait. Je peux te demander des cartes? Je pense, ouais, demander des cartes. Qu'on y voit un peu plus clair. On va demander là-haut, là. Quoique, Brésil. Pas possible. Bah, mer des Caraïbes, tu veux pas? Non, océan Indien, je m'en fiche un peu. Comment je peux savoir comment s'appelle la région? Afrique méridionale, non. Ah, quoique si. Si. Comme ça, je dévoile ce qu'il y a, les petites îles, là. Ah, j'ai aucune unité, une unité, dans la région. C'est pour ça. Gênes, on en est où, là? 55, on va pas y arriver. Je pense à un truc là pour Gênes. Mais arrête avec mon héritier, purée. Un truc pour Gênes là. Normalement dans là-dedans il y a la puissance des vassaux, de l'ensemble des vassaux. Voilà, puissance économique, ah. Non, puissance terrestre de l'ensemble des vassaux, ok. Donc je peux faire baisser ça en recrutant des hommes. Donc là on était à... Ah purée, j'ai pas... On est à 18, 20, 10. Ouais, clairement. Mince, j'en ai bien trop. Ça impressionne plus les canons. Voilà. Ah bah c'est pas déjà. Des éléphants dans la péninsule ibérique. Putain, ils sont bien les ordres là. Non. Bah, voilà. Bon, Janissar gagne un peu d'influence, ça m'embête, mais. Ok, on occupe tout Hormuz. Regroupons-nous ici. Alors, est-ce que ça baisse ça? Au fur et à mesure que les canons arrivent, je pense. Perdu aussi de Cham. D'ailleurs, oui, pardon. Attends, remontre-moi. 54, ça bouge pas des masses. Les Perses vont venir vous taper dessus. Tiens, parce que le temps que j'arrive, ils auront fini le siège. Alors, j'aurais pas de quoi, je pense, voilà. Par contre, j'aurais de quoi réduire ça. 190. Je perds la discipline, les coûts du renforcement augmenté ne concernent que les janisseurs. Vas-y. Ah, ils perdent 50 de loyauté, non. Donc, baisse de la stab et Mustapha 1er Osmanoglu. Qui prend le pouvoir. Et il est du Maroc. On a un mariage royal? Ouais. Je ferais bien une petite imposition de... De la religion. Ouais. Alors, on adopte le titre de calife, on crée un lieu d'érudition islamique. On dénonce les pratiques des sectes et on impose l'unité religieuse, évidemment. Je voulais voir... on est redescendu, dommage. Ouais. Je voulais voir quoi? Je voulais voir si on pouvait convertir... Toulouse. Oh, mais oui. On l'a reconverti à quoi?
À la fois sunnite. Ah bah très bien. Ça c'est... Mais attends, t'es quoi toi? Moi je suis sunnite. Ouais, et toi tu es... sunnite. Mais alors qu'est-ce que je convertis? Ah, les mecs ici? Non, même pas. Qu'est-ce que je convertis? Oh putain, il va jamais trouver. Voilà. Si je tape la fin, est-ce qu'on va trouver? Alors attends, pas non exact seulement, voilà. Peut-être que là il va trouver. Et une tab. Ah oui, c'est shit, d'accord. J'ai 4, ouais. Ok. Mzab, c'est à Tunis. Ibadit, c'est ça? Yes. Ok, donc on peut y aller. Voilà, c'est ce que je disais, on allait le perdre celui-ci. On a contracté 2 d'emprunt. Alors. Attends, propagation des institutions s'applique en contrée de traces jusqu'en 74. Je pense que la contrée de traces a déjà adopté l'institution. Non, donc non. Très bien. Ça arrive. Alors, le Cheikh al-Islam. Le Cheikh al-Islam. Modif d'impôt national. Légalisme, oui, je prends. Légalisme. Va-t-on y arriver? J'ai envie de dire oui. Et je suis en train de me dire, vous là, on sert à pas grand-chose. Vous allez venir là. Tant pis pour les rebelles. Je peux augmenter la stab, pas encore. Je fais combien de points? 10. Oh, stack wipe. Cool. Le balouch. Là, on va venir... c'est quoi, c'est Hormuz, ça? Putain. Là, on va venir chez les balouch. Tu peux en faire... si je pouvais récupérer les balouch, ça me ferait quand même un gros pied à terre ici, là, pour m'étendre de l'autre côté. Rien à améliorer, rien non plus. Vous, on va vous séparer. Vous allez protéger le commerce de Séville ou Safi. Séville, ça donnerait pas rien. Safi, ça donnerait rien. Tunis? Non plus. Là j'ai 8 navires, là j'en ai 11, si je prends Constantinople, ça donne rien. Et je prends la Crimée. Bien. Nous avons appris qu'est survenu un événement crucial. Des éléphants! Le seul choix possible de délier a été, laissant-les donc trembler devant nous. Ouais. Tiens, regarde comme tu trembles. On vient d'essiéger ça. Attends, Delhi, il y a peut-être moyen de se quitter. Pas encore. Ah. Bon, bah, après avoir dessiégé ça, tu vas embêter lui. Et sinon, pour la suite, bah, la France, je pense. Ouais. Ah bon, on peut passer, très bien. Je croyais qu'on pouvait prendre les navires. On devait prendre les navires. On va se mettre là, il n'y aura pas d'attrition, et après on attaque la France. Mais avant, on siège... Oh, on siège. Oh oui, carrément. On... Oh, mais lâchez mes sous tranquilles. Laissez mes sous, lâchez mes sous, ou laissez-les tranquilles, l'un ou l'autre, mais faites quelque chose. Ah, ils m'ont embêté. Bon, ça va. Ça arrive. Voilà, très bien. Los Baluches. Bon, il y a des sièges aussi petites provinces à noix là, mais bon.
Moi, les balouches, je vais les bouffer, c'est sûr. Comme ça, après, je m'attaque aux Perses, à toute l'Inde, là. Bella est tombée, très bien. La capitale, là. Elle est où, ta capitale, Delhi? C'est là? Zoom dessus. C'est là. Oui, je suis con. Oui, c'est parce qu'il avait écrit Delhi. Ok. Alors, on a réussi à les louper. Putain, c'est passé où? Ils sont là? Ouais. Les balouches, est-ce que vous voulez bien... Ah, je peux pas la légitimer. Après, je fais tellement de points que franchement, on vous vassalise, les gars. Tu veux bien? Bah cool. Vas-y. Ah, ça c'est moins cool. Viens là. On a jamais trop de réserve, tout à fait. Notre fils, notre favori sera le fils le plus entreprenant, tout à fait. Mehmed, Ibrahim, tiens, très bien. On a dit que c'était là. Les Français, je peux vous revendiquer des choses, revendiquer une contrée, Languedoc. Rien. RST. Je peux soutenir des rebelles. Particulariste français. Pourquoi pas. Je le fais rarement, mais là on est tellement bien. Franchement, c'est pas grave les emprunts. On va revenir. Ah, ils sont là. Gènes. Tradition terrestre. Voilà. Bon, dès qu'on est sur eux, sur leur capitale, je pense que ils vont accepter de faire la paix. Voilà. Sérieux. Sérieux, franchement. Siège de niveau 3. Donc il faut. C'est écrit, je crois. Bon. Écoute, on va faire. Tac. Vous êtes pénible. Venise nous a rivalisé, ouais. C'est bien, Venise. Plus un, très bien. Qu'on va mettre. Alors toi t'envoies à Constantinople. Tiens, toi t'envoies à Gênes. Après je peux en mettre un ici pour faire chier les Espagnols.
Mais là, sinon, j'envoie à Jeanne. Ouais, non, c'est bien ici. Transfert de puissance. Voilà. Ça fera des thunes à Jeanne un petit peu. Hop, délié tombé, cool. Voilà, paix blanche. Coton ou laine? Ah non, je perds la puissance commerciale, sinon jusqu'à la fin de la partie, vas-y. Ok. Bon, Hormuz. Ah, sinon, file à l'Eyalette. C'est comment il s'appelle? L'Eyalette, pardon, d'Egypte. Comment ça, je peux pas? Comment ça, je peux pas? Est-ce qu'il prononce? Sérieux? Occupé par Provence, Gênes, Toulouse. Admettons, je mets Toulouse. Juste pour voir. Hein. Ah oui, il peut pas le légitimer. Je le bouffe sinon. Eh non, je peux pas, je suis con. Je viens de le dire. Ben, écoute. Annulé avec Delhi déjà. Malois. Venise. Portugal. Mais t'annules tout ça là, voilà. Je te pille tes capitales. Je te pille des sous. Et j'attends 26 jours. Ton modificateur, je sais pas trop comment l'enlever. Gênes, est-ce qu'on peut pas... Ouais, 52, franchement, on va apaiser les dirigeants locaux. On perd 20 prestige, mais ils perdent... Elle monte plus à... C'est son aspiration à liberté, donc maintenant, on va pouvoir... l'annexer. Venez ici. Vous venez là, quand on tapera sur les perses, on sera content. Et on va lancer l'annexion de Gênes. Et j'ai oublié de lancer le chrono. Février 71, 10 ans, c'est tout. Wow, cool. Bon, est-ce que je peux vous embêter d'une autre manière, vous, que les rebelles? Non. Si, non, on est qu'une contre, on a déjà fait. Eh bien, écoute, on va déclarer la guerre. Ouais, j'ai 96 000 hommes ici. Reconquête de Montpellier. Ou Toulonnais, très bien. Et on appelle l'Angleterre. Et j'ai plus de mecs. C'est quoi les pays au trajet? Vas-y. Bien. Donc j'ai même pas regardé qui ça faisait venir. Je regardais juste les hommes. Bretagne, Naples, Toscane, Écosse. Ok. Venons là. Même là. Et du coup Gênes va venir maintenant parce qu'ils sont loyaux. Prendre l'objectif de guerre, où on va venir sortir ou 42 000 hommes quand même. Quoi? Pourquoi je peux pas? Déplacement interdit par une forteresse hostile, laquelle? Ça c'est à moi? Quelle forteresse hostile? Ah, c'est parce que j'y se passe pas l'axe militaire, il va venir l'axe militaire. Est-ce que les Anglais vont faire quelque chose? C'est la grande question. Ok, on a converti des gars, c'est bien. On peut y aller? Ouais. Attends, ils sont quand même 42? Ah non, ils sont beaucoup.
Écoute, viens là, on va voir s'ils bougent. Est-ce qu'ils vont lâcher leur siège là pour venir les aider? On va voir. Non. Ah bah très bien. Ils arrivent au compte goutte les mecs. Notre amiral nous a quittés. Notre théologien est mort. Ils s'en passent des choses. Tiens, modif d'impôt national. Allez, les mercenaires que t'as soldés. Voilà. On va solder leur service aussi. Et leur vie avec. Bon, la France va pas nous rivaliser. Je vais pouvoir lui enlever l'embargo. Bien, vous venez là maintenant, même là. Alors, est-ce que ça va tenir ça? Je sais pas trop. Oh non, ça va pas tenir, il y a trop de mecs. Ouais, Taillot le 3 avril. Par contre, ça coûte. Ouais, non. T'es sérieux? Tu vas faire le tour du monde? Non, tu vas t'arrêter là. Même pas. Je vais faire un tour du monde. Eh ben, fais le tour du monde. Ok, ton scan terminé. Tu t'arrêtes où là? Arrête tout là. C'est bon là. Tu vas jusqu'où? Non, tu vas vraiment faire le tour du monde? C'est pas possible. J'ai besoin de ces troupes. Marchand absent à Alep ou Bof. Ouais, plutôt. Prends-moi un mec ici. Très bien, viens là. Bon, la Toscane, je pense que c'est bon. Ouais, carrément. En plus, on a 100%. Je pourrais prendre deux provinces là. Une, pas deux. Ça fait un peu la gueule, mais bon, franchement, il n'y a pas grand monde. Portugal, Castille, on est en trêve. Aragon, c'est une miette. Il y a Venise, Autriche. Savoie. Ouais, non, on va rien prendre, comme ça je me gave en France plutôt. File-moi des thunes, t'en as plein. Je me trompe de touche. T'en as plein, c'est tout. Transfert de puissance, répat de guerre. T'annules avec la France et Venise, là, tu veux pas. Très bien. Ouais. Mais il se laisse croquer un par un là. Vraiment. Étonnant. Naples, ouais. Dans l'armée, on prend. Le siège de Naples est tombé. Les chacals, les vautours, soulèvement de rebelles. On vient de 15 ans d'agitation à. Tant pis, c'est Cato. Voilà, 6. Je sais pas si ça passe, hein. 71 000 en face. Ok, ça passe pas. Et l'autre a vraiment fait le tour du monde. Ouais, il a pas fini. Il va pas t'arrêter? Si. Putain, faut revenir maintenant. C'est quoi le plus court maintenant que t'as fait ça? Faire tout ça ou faire tout ça? J'irai par là. Ok, mais toi tu dis le contraire.
Tiens, on va diviser. Et on va venir là. Voilà. Oh, on gagne 25 de puissance diplomatique et plus 50 d'opinion de tout le monde, c'est magnifique. Il n'y a plus gêne dedans, hein? Non. 3,4%, ils ont été assiégés, donc ça a arrêté le truc, c'est normal. Est-ce que je pourrais rajouter des canons? Oui. On est à 38 là, de 18, on a perdu Roussillon. Bon, les Anglais, toujours aussi inutiles. On peut peut-être sortir l'Écosse. Non, même pas, parce qu'ils ont rien fait, les Anglais, mais c'est des quiches, des grosses quiches. Tu vas y arriver? Ah non, on a perdu Rome avant. Non, c'est pas marrant. Tiens, toi, est-ce que tu veux bien dégager? Carrément. Pourquoi t'es dans la guerre si t'es plus allié à la France? Pourquoi je peux faire la paix avec... Ah non, mais voilà, je comprenais rien. D'accord. Faudra jouer fine là pour pas qu'il me chope. Tiens, toi, viens prendre ça. On va les écarter un peu d'ici là. Et ouais, on verra la suite de cette guerre demain. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Salut à tous.